Bienvenue. Je m'appelle Alassane Sampou. Je suis le secrétaire et l'assistant du chef du service de coopération de l'ambassade de France à Dakar. Ici, on est au troisième étage de l'ambassade, hein, l'étage qui héberge le service de coopération et d'action culturelle. Ici, c'est mon bureau où je suis très tôt le matin jusqu'à 18h. Ici, c'est la cafetière où j'ai le privilège de recevoir tout le monde, les conseillers ou les assistants des services culturels. Voilà, hein, c'est ici que j'essaye de servir au mieux le département. Je suis à Dakar depuis le 1er septembre 2014, donc ça fait 3 mois. C'est mon premier poste en expatriation. C'est une expérience hors du commun. Je vis l'aventure pleinement. J'ai beau faire 5 années à l'état civil. Ici, je découvre un nouveau poste. Oui. J'ai découvert l'offre de pacte du ministère des Affaires étrangères sur Pôle emploi. Et j'ai répondu à cette offre en ne pensant vraiment pas être retenu. Même si je m'étais préparé à passer les entretiens de groupe et individuels devant un jury. Et c'est ainsi que j'ai été retenu parce que j'avais un profil qui correspondait à ce que recherchait le département. Je suis là aujourd'hui. J'ai eu énormément de rêves dans ma vie, mais rêver de ce que je fais aujourd'hui, ça ne m'était jamais arrivé. Donc je pense que c'est le prendre à bras le corps, c'est ce que je fais de mieux. C'est le téléphone portable, hein. C'est ce qui me permet d'être lié à ma famille, aux proches, mais également à mes responsables quand ils sont en rendez-vous extérieur. Mon privilégié de la journée après une matinée de travail très rythmée, c'est le moment de la pause déjeuner de 13h. Après une matinée chargée et rythmée de travail, j'apprécie la coupure qu'on a et de retrouver mes enfants, de pouvoir manger avec eux, chose que je ne faisais pas en centrale et que je profite du moment ici de pouvoir le faire avec mes enfants lors de la pause déjeuner où je coupe directement avec une matinée rythmée où je sais qu'une après-midi rythmée m'attend aussi. Donc ce moment privilégié, c'est le moment que j'apprécie de la journée.